pense qu'on va conclure cette session comme ça, diabète, hypertension, sur cœur et rein. Alors, je vais... D'abord, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas mis les noms des médecins du service qui ont participé à cette conférence. C'est eux qui l'ont faite. Elles sont là, les deux bandées à Adokmosebat. Elles auraient dû mettre Atamna dans l'ordre, Bouanaka, Bardali, Madhadoum. Je vous avoue que toutes ces diapos, c'est ces dames qui les ont faites. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne fais que le perroquet. Alors, on va commencer par Delila. Elle a 65 ans aujourd'hui. Elle habite Boufélik. Mathabch Mouzaoui. Dosgabe. C'est une enseignante de profession au lycée de Boufélik. Elle est à la retraite. C'est la voisine d'un de nos surveillants d'hémodialyse. Chouri, mariée, mère de deux enfants, elle est diabétique depuis longtemps, type 2, évidemment, metformine ou maladie d'insuline. Voilà, alors son histoire, puisqu'on parle de cœur et de rein et de diabète. En 2006, là, 48 ans, le diagnostic de rétrécissement mitral serré, probablement d'origine rhumatismale, rhumatisme articulaire, RA. Et elle va bénéficier, tellement il est serré, d'une commissurotomie mitrale. Alors, ce Wilna, les chirurgiens cardiaques, quand avant on n'ouvrait pas le cœur, on mettait le doigt ou l'instrument de Dubost. Et puis après, maintenant, on le fait à cœur ouvert. Donc en 2006, au Castor, à Alger, clinique Abdelrahmani, elle est prise en charge par la chirurgie cardiaque. Et elle bénéficie d'une commissurotomie sans remplacement valvulaire. 15 années vont se dérouler. Elle va vivre tranquillement pendant 15 ans. Et hop, 2021, 63 ans, bam, bam, bam. Voilà l'oreille gauche. Donc le rétrécissement mitral est revenu. Alors, ce Wilna, les chirurgiens cardiaques et les cardiologues, ils ont dit que les commissurotomies, ça dure 5 à 15 ans. Donc, elle était à peu près dans les temps. Et ça se resténose. Sauf qu'hier, ça s'est resténosé avec complications, puisqu'elle a eu la grosse oreille de gauche et elle est passée en fibrillation. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous m'en parlez, M. Abdoum? Ben voilà, le bilan, ils vont l'opérer. Elle a 15 mg de créatinine, un MDRD à 37. Elle est anémiée. Mais ils décident de l'opérer malgré tout en nous disant s'il y a un problème rénal péropératoire, post-opératoire immédiat ou un peu loin, est-ce que tu as ou non en néphrologie, en dialyse? Ou non, on a un macum. Ce mawa syndrome, qu'est-ce que c'est ce mawa syndrome? Ou un naka, qu'est-ce que c'est ce mawa syndrome cardio-rénal. Eh bien, quel est le type de syndrome cardio-rénal? Parce que maintenant, il faut que vous l'appreniez. Hein. Ce n'est pas parce que la couche d'orof s'bétarat, vous ne devez pas connaître. Ah, j'aouish. Asma Allah, galb, c'est n'inak. Autrement, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que c'est un symposium, mais il n'y a rien de nouveau. Et ce matin, vous allez savoir que Bouayad, M. Bouayad, Bessaye. Lui, c'était Lili. Il a dit Lili, Lili. Et Mimouni, ça suffit, ça nous vit. Alors, quel type de syndrome cardio-rénal? Vous savez qu'il y a un concept qu'ont inventé les néphrologues en association avec les malfaiteurs de cardiologie pour simplifier, avoir un vocabulaire médical généralisé à la planète. On les appelle le syndrome cardio-rénal ou le syndrome réno-cardiaque selon. Wesh ma'neta? Quand vous avez une affection cardiaque aiguë, elle peut retentir sur le rein de façon aiguë, brutale. On l'appelle type 1. Notre malade, Hadi, Delila, elle, c'est un cœur chronique, malade chronique. Il va entraîner une maladie rénale chronique. On l'appelle syndrome cardio-rénal type 2. Alors, Hado, c'est l'inverse. C'est le rein d'abord qui est malade. C'est aigu, c'est chronique. C'est aigu, c'est chronique, type 3, type 4. Et puis pour la diabète, pour le lupus, pour les infections, pour plein d'autres maladies, il y a ce type 5.
Pourquoi ? Parce que l'atteinte cardiaque et rénale est simultanée. Alors qu'elle a, elle n'est pas simultanée. D'abord le cœur, ensuite le rein, ou d'abord le rein, ensuite le cœur. Alors elle, la question, quel type c'est ? Ben, c'est le type 2. Notre malade, elle a un cœur très malade, et ça a retenti sur le rein. Et on va voir pourquoi le rein va souffrir de ce gros cœur. Alors, elle va être opérée en avril 2021, très vite. Et cette fois-ci, ce n'est pas une commissurotomie, c'est un remplacement valvulaire. Elle a une valve métallique de Star, je crois. Et on rétrécit un peu la valve tricuspide, parce qu'elle était très dilatée. Alors, en post-opératoire, comme toujours, lorsqu'on a une insuffisance rénale, les choses ne s'arrangent pas. Elle fait une insuffisance rénale très sévère. Elle a frôlé la dialyse. Mais grâce au remplissage vasculaire qu'on a conseillé, l'albumine et tout, c'est rentré dans l'ordre. Ce qui fait qu'on aurait pu même frôler le type 1. Ça veut dire quoi ? Une insuffisance cardiaque aiguë et une insuffisance rénale aiguë. Elle aurait eu type 2 et type 1. Donc ça, c'est espèce de mariage, une sorte de mariage qui réunit cardiologues, néphrologues, internistes, hormonaux, biochimistes, parce qu'il faut beaucoup de choses, radiologues. Et si c'est ce que vous vouliez, les gens de Schleff, qui vous m'avez invité, c'est un exemple chez les diabétiques d'anomalie cardiaque et rénale en même temps. Maintenant, on va passer à un autre cas clinique où c'est un peu plus compliqué. C'est un syndrome cardio-rénal, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, un petit mot pour les docteurs qui suivront peut-être de ce type de malade. Elle sort de la chirurgie cardiaque quelques jours après, quelques semaines plutôt, mais on constate que son DFG ne s'est pas beaucoup amélioré, mais il est stable, et elle a une anémie. Et là, on leur conseille de doser la ferritine, parce qu'on cherche une carence martiale. Je vous donnerai un coup d'expliquement pourquoi. Ces malades, il faut chercher de la carence martiale. Ils ont toutes les raisons d'avoir une carence. D'abord, c'est une femme, elle a eu des grossesses, elle a allaité, et elle a fait une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, elle a saigné, elle est sous Syntron. Donc, toutes les raisons pour développer une carence martiale. Et vous allez voir que le syndrome cardio-rénal, l'anémie, surtout s'ils sont coronariens, ce n'est pas son cas, mais ça peut être le cas d'autres malades, l'anémie avec la carence martiale, quand elle s'installe, ce n'est pas bon pour le pronostic. Alors, son voisin, notre ami Chouki, surveillant d'hémodialyse, voisin Boufferic, lui fait un bilan 2 ans après, au mois d'août 2023. Sabelha, la créatinine à 19, DFG qui était à 45, il descend à 28. Avant qu'elle vienne, je lui dis à Chouki, pour rentabiliser la consultation, Delha un pro-BNP. Tu m'as oublié ? Des choses. Achou ? Ahdar fort. Et marqueur d'insuffisance cardiaque. Et c'est Brain Natriuretic Peptide, qui est l'équivalent de l'oreillette, Atrial Natriuretic Peptide. Alors pour les plus jeunes qui sont derrière, nous avons, la nature nous a doté de beaucoup de choses, et en particulier d'un natriurétique bottle. Il est produit par l'oreille droite ou par le cerveau, et c'est une façon que le cœur a de se débarrasser du trop-plein de sel. Ça s'appelle l'ANP ou le BNP, et vous allez voir où est-ce qu'il agit dans le rein. Alors là, il est très élevé. À nouveau, 3 ans après, la ferritine reste basse et l'hémoglobine reste basse. Cette fois-ci, on fait une ACR parce qu'on a envie de savoir s'il y a une atteinte rénale. Voici sa radio de thorax. Bam, bam, c'est pas une grande réussite. Vous reconnaissez ici, j'ai demandé aux internes du service, ils ne savaient pas ce que c'était, quand c'est ces sous-vêtements, c'est les fils d'acier, t'as la sternotomie, la valve mitrale. Alors, je demandais aux internes de me décrire la silhouette cardiaque. Elle dit normal. Je dis normal, là, belt. Très bien. L'artère pulmonaire, Mbombia. La pointe du VG, Hnelfouk. Le VD, l'oreille droite, elle est tartag.
Elle déborde complètement. Donc elle produit du BNP et de l'ANP à fond la caisse pour diminuer la précharge. Et hop, la surcharge pulmonaire. Donc là, on est dans vraiment le syndrome cardio-rénal type 2 à fond la caisse, même en post-opératoire, 3 ans après. Le problème n'est pas réglé. Une question, parce qu'il est tard et tout. Ça vous intéresse? C'est ça que vous voulez que je parle ou là, non? C'est ça que... Vous savez, tu as dit que... Allez, il y a... Bon, il fait une échographie des reins. Les reins sont de taille conservée, très bonne. Ça veut dire que c'est possible qu'on récupère des choses chez elle, puisque les reins sont très beaux. Chabine, la basse alihom. Et ça veut dire que c'est une souffrance rénale qui peut être réversible. Alors, on va lui injecter du fer de façon à monter la ferritinémie dans les cibles de la néphrologie. Et l'hémoglobine va s'arranger. Il y a une semaine ou là, elle est passée dans le service, Marftage. Les premiers temps qu'un Jim Boufferic, dyspléique, grâce au traitement des résidentes, ah oui, dapagliflozine, SGLT2, trac, fer injectable, trac, diurétique classique, trac, elle bondit comme une gazelle, c'est vrai? N'est-ce pas les filles? Elle a demandé même s'il n'y a pas quelqu'un à m'épouser. Tellement elle se sentait mieux. C'est une bouffaricoise. Alors nous, pourquoi on s'intéresse... Vous pouvez le demander une fois de temps en temps. Si vous entendez qu'un laboratoire, comme à côté de Mustapha, ils sont deux, comme il y a la cardiologie, la médecine interne, la néphrologie qui leur envoie le BNP, c'est passé de 7000 dinars à 3000 dinars. À l'intérieur de l'hôpital Mustapha, M. Diroa. C'est très intéressant, c'est très utile pour le malade. BNP très élevé, votre cœur est en surcharge, le cœur droit en particulier, la charge est très grande, vous allez agir. Nous devons agir pour soulager le cœur. Sauf que dans le syndrome cardio-rénal, pourquoi il faut une collaboration cardiologie, néphrologie, médecine interne, réanimation forte. Dans le syndrome cardio-rénal, quand les choses décompensent, à un moment, il y a des choix qui vont être faits. Comme ces malades en général vont d'abord en cardiologie, les cardiologues, ils privilégient le cœur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? BNP tala. Ils commencent les diurétiques. Ils vont donner du furosémide, l'azilix, furosal, injectable. La diurèse va monter. Donc ils vont soulager le cœur, ils seront très contents, mais la fonction rénale, ils vont me la casser. Et la diurèse, un moment, on est en plein dans le syndrome cardio-rénal. Les difficultés de prendre en charge. Ça, c'est à un moment, c'est des malades qui rentrent en service, ils rentrent en cardiologie. Sinon, d'habitude, les malades, anuriques, BNP bas, c'est vrai, 4 grammes d'urée, 7 grammes d'hémoglobine, et c'est un malade. C'est écrit néphrologie, mais c'est nécrologie. Je vais me dire, je dois me dire, والله ما تبلاش قلت وراه نوتخامي دو كارديو ا 2 راحت ايه دوماج سينو كنت نعطيها alors pour s'entendre tous les deux les cardiologues et les néphrologues باش ما ندبزوش on leur a dit rajouter quelque chose qui s'appelle dosage de Engel. Bon, vous allez me dire je suis en cabinet, je suis à Schleuf, je suis à comment ça s'appelle Pontebas aujourd'hui. Pontebas, où sommes-nous donc? Oumdroa. Je suis à Lamartine. Qu'est-ce que vous voulez à Lamartine aujourd'hui? Kérimia. Il dit que je suis BNP, Engel et tout. Mais quand on veut s'entendre avec nos amis de cardioïsme, bien traiter une malade et éviter la dialyse, eh ben, quand ils commencent à faire des bêtises, à donner trop forte dose de diurétique, la créatinine, elle met du temps à augmenter. Et quand elle monte, c'est trop vite, c'est l'ascenseur. On leur dit, faites un dosage d'Engel. Si vous voyez que ça monte trop, habsou koulish avant que ça bascule. Donc ça, c'est
je pense que vous le souhaitiez, on peut parler de cette malade pendant des heures. Alors, autre chose, peut-être pour les jeunes qui sont là hospitaliers, le syndrome cardio-rénal, il comporte une chose qui est très importante, qui est l'anémie, ou en tout cas la carence martiale. Du coup, cardio-rénal syndrome est devenu cardio-rénal anémia syndrome, et depuis quelques mois, c'est cardio-rénal iron deficiency syndrome, le CRIS. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses dans ce domaine qui bouge. Alors maintenant, j'insiste sur l'anémie, la carence martiale, et qu'est-ce que vous devez, comme médecin, retenir en 2023 ? Chaque fois que la fonction rénale baisse, l'hémoglobine baisse. Alors pourquoi ça baisse ? Pourquoi il y a une anémie constante dans l'urémie à chaque fois que le DFG baisse ? Eh bien, vous n'avez plus d'érythropoïétine, vous êtes comme les cyclistes, vous n'êtes plus dopé, mais surtout, il n'y a plus de fer. Les néphrologues, maintenant, le message qu'ils donnent, ce n'est pas uniquement, et pas surtout le manque de PO qui fait l'anémie, c'est le manque de fer. Je vous donne un coup d'expliquement, vous êtes d'accord ? Arbitoh zimatakum, adilo dohoro, je ne sais pas quoi. Surtout les diabétos qui voyagent beaucoup. Ils se mouaient bzaf à des flavions. Chauf, un insuffisant rénal en général, il est ici. Il est en carence. Ça, c'est un insuffisant rénal qui n'a jamais été transfusé. Si je représente l'être humain, ça, c'est son foie. C'est là où est stocké tout le fer de l'organisme. Ça, c'est la sidérophiline. Et ça, c'est les globules rouges, les milliards et milliards avec leur fer sérique. L'insuffisant rénal, il n'absorbe plus le fer. Son intestin n'absorbe plus de fer du tout et il ne sait plus garder le fer. Du coup, il a une anémie microcytaire au départ. Avant l'anémie microcytaire, il a une carence en fer majeur avec des ferritines effondrées. Alors, les normes pour l'insuffisant rénal, c'est inférieur à 100, c'est déjà grave. Ici, c'est supérieur à 100. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Vous allez le rencontrer dans la vie. C'est en néphrologie, en hémodialyse, qu'on a découvert, bien compris, le métabolisme du fer, cycle du fer, pour les insuffisants rénaux et le syndrome cardio-rénal. Ne travaillez plus sur la fer sérique, la transférine, la ferritine. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'a votre voisine, votre malade, votre patiente, votre parturiente, tout ce que vous voulez, votre... Alors, les hémodialysés, on a toujours cherché à savoir pourquoi ils n'absorbent pas le fer alimentaire et même les tonnes de fer que Dehaba leur prescrit. Il est actionnaire chez un producteur de fer oral. Il me donne des tonnes. L'air malade, t'es mal, regarde des selles noires. Nauséabondes avec des douleurs gastriques. Ben, je vais vous dire. Saclay, région parisienne, institut de recherche, il cherchait des cellules hépatiques cancéreuses, c'est un hémodialysé, plusieurs, ils ont des bouts de foie, il avait un cancer, et on découvre, pas l'héparine, elle a été découverte il y a très longtemps, mais une hormone qui s'appelle l'hepcidine. Thank you. L'urémique produit en grande quantité une hormone naturelle qui s'appelle l'hepcidine. Hep, ça vient du foie. À quoi elle sert ? On l'a dosée chez l'urémique, très élevée. On l'a dosée dans le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est inflammatoire, très élevé. On l'a dosée chez les sujets qui ont l'hémochromatose, qui meurent d'insuffisance cardiaque, zéro hepcidine. On l'a dosée chez les femmes enceintes, zéro hepcidine.
واش معناتها؟ que l'anémie inflammatoire et l'anémie de l'urémie, c'est l'hepcidine. Alors pourquoi il n'y a pas d'hepcidine dans les macromatoses? Eh bien parce que les sujets macromatosiques ne font qu'absorber le fer alimentaire. L'être humain est programmé pour ne pas devenir un homme ou une femme en fer. Nous n'absorbons pas, Dieu merci, le fer alimentaire. Et Dieu merci, le fer à l'industrie pharmaceutique. L'hepcidine nous protège contre l'hémochromatose et l'hémosidérose. L'urémique, ça ne sert à rien de lui donner du fer. Ah oui, l'insuffisant cardiaque. Le diabétique. Quelles sont les situations chroniques où l'hepcidine est au plafond? L'urémique chronique, le diabétique, et le cardiaque, globalement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette hepcidine, quand elle est très excitée? Eh bien, elle bloque l'absorption intestinale de fer. Ça ne sert à rien de donner du fer. Ça ne sert à rien. Niette. Alors, dans l'organisme, elle empêche le fer de sortir du cimetière et elle embête le transfert du fer vers la moelle, lieu de production des globules rouges. Le seul moyen de remédier à ça, c'est d'injecter du fer qui va aller dans la moelle osseuse, site de production. On n'a pas d'autre moyen. Et en injectant du fer, vous rechargez le foie. Voilà ce qui s'est passé chez notre malade, qui a un problème cardiaque et qui a, à plusieurs reprises, parce qu'il a des ferritines basses. Voilà la ferritine taïlique. Aïe l'anémie. Plus la microcytose. Quand on a injecté du fer, haïlique. Donc, message, je profite ici, à chaque fois que je le peux, vous oubliez le fer sérique. La coefficient de saturation, c'est pas mauvais. C'est ferritine pour bien interpréter la CRP associée, l'inflammation, et c'est le fer injectable. Est-ce que vous avez des endroits ici à Schleuf pour injecter le fer? Oui. Chagulto? Uniquement l'hémodialyse. Il n'y a pas des autres endroits où on injecte du fer. La maternité. Ah oui, alors, pour la femme enceinte, je modère un peu mes propos. La femme enceinte, elle n'a pas d'hepcidine. Pendant la période de la grossesse, le fer alimentaire, elle le prend, et le fer oral, elle le prend. Mais c'est une période courte, bénie, et la femme enceinte a cette chance de ne pas avoir d'hepcidine qui bloque l'absorption. Elle en a besoin. Mais quelquefois, ça ne suffit pas parce qu'elle est cardiaque, elle a un problème rénal, ce qui fait qu'on a recours chez ces femmes enceintes au fer injectable. Adi el hkaya. Ah oui, il y a très longtemps, en néphrologie, on avait utilisé des fers maltose et des fers qui contiennent du dextran. C'était, dans certains cas, mortel immédiatement. Refna. Aux États-Unis, va apparaître le fer saccharose. Alors, les Américains rigolos, no dextran, sans dextran, no maltose. Et en Suisse, Vifor, c'est commercialisé par l'Ortahana par Abdebrahim, le fer saccharose. Maintenant, en Algérie, il y a un Fraterazes, Bioker, en Annaba, qui produit du fer saccharose sans maltose et sans dextran. Il y a un fer que je contre-indique formellement, Cosmo enfer, il dit que l'enfer. Alors quel est l'argument de vente? Alex, c'est du dextran moyenne petit poids moléculaire. Dextran, c'est du dextran, petit ou grand molécule, iqtel. Donc chauf, vous avez le fer en Algérie disponible, pas cher. Frater Razès, Razifer ou la fer Razès, est à Bioker. 100% efficacité, 100% zéro effet indésirable. Il n'y a pas, il n'y a rien.
Donc c'est du fer lié au sucre. Et c'est parfait. Donc évitez par contre le fer machin. C'est un petit dextran. Quand on a le français, on dit la visite, le prof se gagne. Pourquoi vous dites toujours petite fièvre, petite douleur, petite machin? Seul Allah est grand. Mais une question, est-ce que les femmes sont un petit peu enceintes chez vous? Monsieur, elles sont enceintes, j'étais gamin en culotte courte. Plus tard, vous êtes marié, Farid, un petit peu. Je n'ai pas compris. Donc il n'y a pas de petit dextran ou de grand dextran. Pas de dextran. Bien. On continue, ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un bandit, Mohamed Mokran, il n'est pas là, Ousmo Rah? Rah. Oh, je peux parler, donc on t'a al khbayl. Mohamed El Kbir, l'immigré. Ah, même un khbayli mrande, je. Gardez le khbayli. Même un khbayli. Mais ça, je suis khoya. Alors pourquoi Mohamed l'immigré? Parce qu'il a la carte vitale, il vient entre Marseille et Alger. Dans la habit. J'aime pas le voir, très honnêtement, mais il pistonne, il à chaque fois. C'est un syndrome cardio-rénal chez un diabétique. Insulino-traité, normal, en Algérie, un DNID. Je n'ai pas besoin d'insuline, je te mets sous insuline. N'est-ce pas, Awish? Ça te boule l'insuline. Je suis à Marseille, c'est pas là-bas. Si, si, je te mets sous insuline, c'est gratuit en Algérie. Oh. Bon, 67 ans, Mohamed Mokran, cardiopathie hypertensive, à débit, comment on appelle ça, la fraction d'éjection basse, moyennement basse. Ils ont inventé le mot moyennement basse. Alors, il a un IEC normal pour le cœur, un bêta-bloqueur normal pour le cœur, de l'AMLO classique. Alors, ça, c'est la prescription du cardiologue. Personnellement, moi, j'aurais donné 80 mg en une prise unique le matin. Il y a 40 le matin, 40 le soir, le si tu es fatigué, mais tu me stas le soir. C'est vraiment très cardiologique. Il n'y a pas de cardiologue. À un moment, il n'est pas bien. Goutosma, outla à Marseille. Dyspnée 3, turgescence des jugulaires. Il a un cœur droit. Syndrome cardio-rénal. Il a un problème. Il est diabétique. Il a un problème cardiaque. Créatinine, c'est enzymatique, la méthode. CKD et pire, Bain. 67 ans, il devrait être à 50. Au habit. Kalimi tala, acidose. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas d'anémie, mais il a une microcytose. J'ai dit à Lévy, le cardiologue, dose la ferritinémie, mais. Qu'est-ce qui fait son cardio à Marseille? Lévy, cours Belzens. Ah, pas loin de la porte d'Aix. T'as vu Marseille? Quartier sud, trop. L'Algérie, c'est ma couche de bâle. Chelouf, c'est Marseille ou là, c'est Lyon? La région de Chelouf. Parce que c'est Lyon-Gastaïvia. Thomas, c'est Marseille. Hey, il doit rencontrer des Chelouf, Rudex. Alors, chef, Lévi, il a la carte vitale. Il a les diurétiques, je les enlève. Je les enlève. Ton cœur commence à prendre un mauvais tour. Sacubitril, c'est du BNP produit par Novartis. Il remplace, il renforce le BNP naturel, sacubitril. Spironolactone, c'est bon, ça bloque l'aldostérone. Et IGLT2. Alors voilà qu'est-ce qu'il fait notre ami Lévy, il fait Marseille. Écoutez, on a Badni. Alors, il enlève le ramipril, il introduit l'entresto, combinaison fixe, à Novartis, fait exprès. Tu enlèves tout. Tu dire la rate de taha. Normal. Spironolactone, très faible dose, c'est très cardiologique. Là, pour que ce soit efficace, c'est 75. Il donne 25. C'est hyper caliémion et ça ne fait rien de bon. Mais c'est comme ça. Et très bonne chose de la DAPA. Le résultat est excellent sur le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait Lévy? Il a privilégié le cœur
ou amaler le rein. Comme il met trois diurétiques très efficaces, plus le furosémide 4, 28 mg de créatinine, 22 de CKD. Alors, repars à Alger. Rachouf le néphrothema. Le malade, il est bien sur le plan cardiologique, mais c'est un syndrome cardio-rénal chez un diabétique. Un œil vient me voir, je dis, « Baïd, n'y a choué. Aoudoulé le Marseille. » Bon, je me dis, je vais essayer d'arranger les choses. Je décide d'arrêter le furosémide. Je me suis dit, bon, le malade, il ne l'arrête pas, il le réduit parce qu'il appelle Lévy. Et je lui dis, on arrête beaucoup de choses, en particulier l'amlodipine qui ne sert à rien. Bon, total, à un moment, il m'écoute. Il reste sous Entresto, Spiro. Je lui dis de l'arrêter, ça ne servait à rien, mais la DAPA, ça, je suis pour, à fond. IGGLT2. Furosémide, Guto Hepso, il laisse 40. Bon, le bêta-bloqueur, ça, c'est des régions cardiaques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sonne? Il va bien. أوطع له حابط عاود بعثوا لي ليه نوض صاحبك هو راه فيها كاع مسكين مزاوي نوضوا نوضوا بارون فري بهدلنا الكوراج برك الكوراج سي بيان طولا في الكوراج الكوراج ومازال عندك عويش ترتع ليك سيندروم كارديو رينال سي تري كومبليكي سورتو كونت سي انتر مارسي و الجي مي سا بيرمي دو فوز دير كو سي دي تاتولمون. Il y a des nouveaux médicaments, mais alors là, il faut s'entendre entre le cardio, le néphro, l'interniste, le diabétologue. Très important aussi avec le diabétologue. Et cette fois-ci, j'ai été gagnant. Haddoum fort. Parce que les virus, allo, au filgek haddoum. C'est le rein, tu es foutu. C'est vrai. On a sacrifié le rein. Cardio-rénal type 2. Cœur très malade et rein très malade. Et la fonction rénale ne fait que se dégrader. Mais cette fois-ci, j'ai vu une chose que Lévy n'a pas vue. Ouais, je sais pourquoi. Son médecin, je ne vous dirai pas son nom, qui lui donne les médicaments à le diabète au gars, Gelouj Bkbaylia, Tizi Ouzo, Kelyeine, Kzaltine, Ketchkemesh. T'as vu, je me disais, Tkemesh. Les reins, Rahini, Tkemcho. Ou là, il drop 7, 8, 10 litres d'eau par jour. Et quand tu t'appelles Mouandam Koran, c'est que de l'eau. Khalat Hachuel Mao. Et t'as trouvé Vidina, t'as trouvé Mikhalou. Mais je mets comme juge l'air, machine à laver. Qu'est-ce que j'ai vu et que n'a pas vu le coco de Livy, cardiologue, 120 de natrémie. Ouatek Saha. Intoxication à l'eau, hyperhydratation à l'eau. Alors, si je représente Mouhdam Khoran avant qu'il commence à prendre la bière à Tizi Ouzou et à Marseille, il avait un excès d'eau et de sel à un moment, il avait des œdèmes d'hypertension. On lui arrête le sel, très bien, ça il n'est pas contre, et on lui dit de boire beaucoup d'eau. Tarak, tarak, tarak. Lévy est perdu. Il a 120 natrémie en malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que donne une hyponatrémie de dilution et un excès d'eau. Tout ce que vous avez fait, la syndrome cardio-rénale qui va mal, c'est ça. 120 natrémie au lieu de 140. Je fais ma petite formule, je calcule. Il a 7 kg d'eau dans les cellules. Restriction hydrique, il perd 9 kilos, presque tout rentre dans l'ordre. Ce matin, de bas, maintenant, je me dis, où est le wahdek? Ah oui. Hadou les malades qui m'aident à Mouhdam Khoran, je me dis, où est le wahdek? Chauffe, mais tu fais, c'est le diabéto, le l'endocrine diabéto, l'interniste, le cardio, le néphro, il va couler le malade. Tout le monde, où est-ce qu'il y a? Il y a des gros drops, des gros drops. Il dit, j'ai rien compris. L'accent grec. Tu as le mal. Ce n'est pas une machine à laver. Il y a si vous voulez lutter contre une hypovolémie, il faut améliorer le débit cardiaque ou mettre de l'albumine. Ce n'est pas de l'eau. L'eau, elle rentre dans les cellules. Voilà. Donc, syndrome cardio-rénal,
c'est la congestion. Habessna la congestion, beaucoup de choses sont améliorées. Maintenant, juste pour vous parler de l'avenir, là, les jeunes que je vois derrière qui ne dorment pas, vous avez une chance terrible. Là, on va partir. Le monde va changer pour vous, dans les prescriptions. Le néphron, il a un tube distal, wagi. Il a un tube proximal, wagi. Si vous vous rappelez de vos cours très jeunes, 85% du sodium est absorbé des gui, soit seul, soit en échangeant du sucre. Hagda, soit seul, il est absorbé wahdes, soit en échangeant du sucre. Et c'est ici les nouveaux diurétiques, ils agissent là où il faut. Zegi, sur le tube proximal. Que ce soit le SACU et la famille, le fatreur natriurétique, que ce soit les ESGLT2. Ça veut dire quoi? Depuis 2020, on est passé des diurétiques très mauvais, de mauvaise qualité, avec beaucoup d'effets secondaires, hypokaliémie, hyperkaliémie, hyperuricémie, qui agissent sur 15% du sodium. On est passé à des nouveaux natriurétiques qui agit sur le tube proximal. Le courage. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est qu'en éliminant le sel sur le tube proximal, c'est neutre sur le potassium. Il n'y a pas d'hypokaliémie, il n'y a pas d'hyperkaliémie. C'est neutre sur l'acide urique. Et ça agit même si la fonction rénale descend. Même s'il n'y a plus de sucre. Il faut du sucre, il ne faut pas du sucre. Non, non, à ta droite, Dhaba, à ta droite. Non, non, non. À la provocation, oui. Donc, chauffe. Hado, les nouveaux médicaments, on ne sait pas les raisons. Bien, cellulaire, de biologie moléculaire. Mais même chez un sujet qui ne pisse plus de sucre. Ah oui, chez Rolex, je l'arrête. Le gars, il a 30 ml, 25 ml de clearance, il ne pisse plus de sucre. Pourquoi je vais le donner? Ça me rapporte rien, moi, diabétologue. On dit, le malade, il est cardiaque, il est rénal, je le donne. Pourquoi? On sait maintenant, on suspecte qu'il y a une action zagi, loin du rein. Plus le rein, il élimine du sodium. C'est un natriurétique qui, dans l'effet, persiste même lorsque le DFG baisse. Donc, à la question... Est-ce qu'on peut donner de la DAPA, par exemple, aujourd'hui en Algérie, ou de la CANA, à 15 ml? Oui, ça dépend de vos objectifs. Si tu veux faire du wishisme, il vaut mieux l'insuline et l'insuline Airways. Rahat Mimouni. Si tu veux faire du Ben Khadda, ou là, du Bouhwicha, ou là, je ne sais pas qui, du Bouhvia, tu prescris même à des clairances basses. C'est très bon pour le cœur. Si tu veux éloigner la dialyse, kiff kiff. Allez, hier. Alors, on a un mot maintenant pour ces diurétiques, les nouveaux, c'est les smart diuretics. Ils ne changent rien. Ni au potassium, ni à l'acide urique, ni rien du tout. Et c'est des grands natriurétiques. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais, alors, vous savez, on pensait un jour mettre face à face DAPA, par exemple, et un ARA2. Et en fait, non, c'est DAPA et un ARA2 ou un IEC. Voilà ce qui se passe lorsque vous les associez. D'ailleurs, toutes les études sur le cœur, sur le rein, AMPA, CANA, CRIDES, GARDAKLKHORTI, tous les malades avaient un IEC ou un ARA2. Ils n'ont pas osé les arrêter. Jamais. Donc, pour l'instant, les études ISGLT2 ont été faites chez des malades dont on n'a jamais arrêté. Alors, il y avait la bagarre pour dire, est-ce qu'un jour, on va faire versus? Alors, oui, mais pas maintenant. Plus tard, on va comparer ARA2 Wahdo, la IEC Wahdo, et en face, SGLT2 Wahdo. Mais pour l'instant, c'est les deux. Et on a peut-être raison, parce que quand on les associe, ça c'est un rein, hein, c'est un glomérule, le DAPA agit ici, et l'ARA2 agit ici. C'est complémentaire. Alors aujourd'hui, on n'a pas tout en Algérie. Je vous l'ai montré ce matin. Oui. Donc je passe. Je vous en ai parlé ce matin, non? Bon, je vous ai dit que
l'Amérique va nous laisser travailler, vendre, la, acheter, commercialiser le phénérénon. Parce que là, ils sont partis ailleurs. Vous laissez maintenant les sbah. Ah oui. Maintenant, ils ont un médicament qui bloque la synthèse d'aldostérone dans les surrénales. C'est terminé. Et ça, peut-être qu'on va en profiter pendant que le mécanisme de Rona, en attendant qu'ils mettent en route leur inhibiteur de l'aldostérone synthase. C'est une molécule originale, c'est vrai, qui agit sur le récepteur des minéralocorticoïdes, mais qui n'est pas stéroïdien, qui agit sur le DNA. Ce qui est bien, c'est que c'est organoprotecteur, ce que ne faisait pas l'aldactone, la spironolactone, et ça baisse modérément la tension artérielle. Donc ce n'est pas mauvais si on a la finérénone, istrohenna, chouïa. Alors, oui, qu'est-ce que je dois dire? Dans le syndrome cardio-rénal, l'effet des IGLT2 est très important, surtout en cas de décompensation cardiaque. Ah, voilà. Ça, c'est moi et ça, c'est mon petit-fils. Il faut profiter entre les deux. J'arrête, c'est la fin. Maintenant, c'est Aouish. Alors, merci beaucoup, monsieur Adjo. J'ai dépassé le temps. Vous avez profité de votre poste institutionnel en tant que modérateur et vous avez pris pratiquement le double du temps.